Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions de disposer vos cœurs et oreilles à méditer la parole de Dieu. Nous remercions également aux administrateurs et à Papa Ertis qui nous ont choisis afin de modérer la méditation de ces jours. Il s'agit bien de mardi, le 5 mars 2024. Notre méditation porte sur Jean 13, 1 à 20. Et nous allons répondre à des questions, à savoir, question numéro 1, de quoi ou de qui parle ces versets? Et question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Prions. Nous te disons merci Seigneur pour cette opportunité nous accorder de partager ta parole. Merci pour ton assistance et la présence. Permets de cette méditation nous édifie. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons faire la lecture dans Jean chapitre 13, versets 1 à 20. Suivons la lecture. Jean chapitre 13, versets 1 à 13, à 20 plutôt. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'élevant de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre et lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que j'ai fait, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de place avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes pur. » Mais non pas tous, car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse.
Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Chers et frères, c'est la parole du Seigneur. Nous allons passer maintenant à répondre à nos questions. Question numéro 1. De quoi ou de qui parlent ces versets? De quoi parlent ces versets? Nous voyons, ces versets parlent des préparatifs ou les préludes de la fête de Pâques, voir verset 1. Avant la fête de Pâques, c'est-à-dire que la fête n'avait pas encore débuté. Nous voyons encore au verset 2, on nous parle du souper. Et nous voyons encore les actes posés par Jésus lors du souper, à savoir, Jésus s'élève, ôte les vêtements et prend les linges, verset 4. Verse l'eau dans un bassin, lave les pieds de ses disciples et les essuie avec les linges, dans verset 5. Jésus s'adresse à Pierre, verset 6, et échange avec lui. On nous parle encore de la trahison de Jésus par Judas, verset 2, 11 et 18. Maintenant, de qui parlent ces versets? Ces versets parlent de Jésus-Christ, acteur principal de la fête de Pâques. On voit les actes évoqués ci-dessous. Et ces versets parlent encore de Pierre qui résiste à l'acte posé par Jésus, celui de leur laver les pieds. Nous voyons dans verset 6 et verset 8. Nous passons à question 3. Exemple à suivre ou à ne pas suivre. Nous commençons avec les exemples à suivre. Tout en étant maître et seigneur, dans verset 13, Jésus se met à table, partage les mêmes repas avec ses disciples. Nous voyons là l'humilité de Jésus. Cette dernière va jusqu'à leur laver les pieds et les essuyer. Quel que soit le sens caché de ces gestes, l'acte lui-même constitue un modèle pour un dirigeant, un leader qui ne doit pas se prendre plus haut que ses subalternes. Tout est grâce. Autre exemple, c'est le courage de Pierre, grâce auquel Jésus lâche plusieurs vérités. Un tel disciple, un tel subalterne est une bénédiction qui chasse l'hypocrisie. Passons à l'exemple à ne pas suivre. Je trouve ici exemple au verset 2, Judas utilisé par le diable pour trahir Jésus. Mon partage porte sur les versets 14 et 16. Je parie que plusieurs bien-aimés auront aussi de la matière pour nous compléter et enrichir les menus de ces tests. Au verset 14, Jésus explique son geste qui constitue à ce que, dans le cadre de nos devoirs mutuels et nos relations fraternelles, nous sommes tenus à nous laver, c'est-à-dire nous devons nous secourir, nous entraider, confère Ésaïe 41, verset 6 que nous venons de méditer. Je lis, ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère, courage. Nous devons nous consoler, nous devons nous fortifier, confère Éphésiens 6, verset 10, je lis, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Bien-aimés, l'essence de notre foi, au milieu de notre croyance,
en Dieu réside non seulement dans notre attachement envers Dieu, mais aussi et surtout dans notre manière d'entretenir notre vie ou relation avec le monde. Entendons, mes frères et sœurs, dans la famille, dans la société, l'homme dans son ensemble. Je relis les versets 14 à 16. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Nous allons prier. Seigneur Jésus, tout maître et Seigneur, tu étais rabaissé jusqu'à faire ce que feraient ou font les serviteurs à leur maître. Enseigne-moi et enseigne-nous à considérer tout être humain comme étant supérieur à nous. C'est cela la vraie humilité. Sois loué Jésus, et en ton nom, j'ai dit merci et amen. C'était votre sœur, Madame Claudine Kiboba, depuis la RDC dans la ville de Kikwit. Je vous remercie.